Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, c'est Robert Magique. Je salue tous les amis qui ont écouté Haïti, Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, Brésil, Chili, dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles. Je dis nous bonsoir, bonjour, bon après-midi. Et nous, bien longtemps que nous n'attendons pas, bon, c'est pas oublié, oublié, non. Nous, là, et je suis très occupé avec la famille et puis j'ai des affaires personnelles à régler. Mais je suis là, je suis de près et les courses politiques en Haïti, les partis politiques. Et ça me dit donc que président Jovenel a fait un bon travail. Je comprends, moi, pas regret, je te dis non pour nous voter pour lui, mais ça fait un bon travail. Je crois que c'est premier président qui comprend l'économie en Haïti. C'est le premier président, moi, qui comprend l'économie bien. Et si nous quittons le président ça, pour 5 ans, je pense que l'a quitté une fondation Haïti. L'a quitté une fondation pour travail puis pour développement pays. Premièrement, ça, Jovenel, fait que je me compte en pile. Il contacte business qui est dans le pays déjà. Il contacte business qui est profitable. Il ouais, qui est profitable. Les contacter et les promettre pour les agrandir. C'est un gros bagarre. Mais par contre, si nous comprenons ça. C'est comme si Mdadou, on sous qui pétait, ou fait sous la pigou, ou agrandit sous cela. Parce que par exemple, compagnie Cornflakes là qui est ici, qui a exporté Cornflakes dans l'autre pays, c'est un gros bagarre. Parce que tête là, gâtant là déjà, compagnie a déjà gagné un monde qui a la tête li, qui comprend le business là. So, ça, président fait, très intelligent, monsieur promet compagnie que l'a agrandi business là dans les 10 départements. Et maïs, c'est un produit qui levait n'importe côté. Pas grand terre qui pas fait maïs. Je pense que si nous concentré sous planter maïs parce que maïs levé n'importe côté. Maïs pas préjugé, il levé dans n'importe terre. So, c'est planter maïs, pimper cornflakes à l'extérieur. Faire dans les 10 départements. Et je pense que son gros point, moi applaudis Jovenel. Moi applaudis président Jovenel comme premier président qui comprend sacré l'économie. Monsieur fait ça. Dans tout business, je pense que chômage a diminué en Haïti. Le chômage a diminué et nous sous bonne route, nous sous bonne voie. Vous comprenez? L'aime d'où ça, pas de mentir avec vous, je n'ai pas d'intérêt à mentir, je n'ai pas d'intérêt pour me prendre pour Jovenel. Depuis monsieur fait ça, passe à m'tablou, parce que moi-même, je n'ai pas arrêté à aucun monde. D'où monsieur a mis le pays sous bonne voie. Si nous marchions tête ensemble avec lui. Problème qui vient gagner, Jovenel voter pour Venezuela, il camper avec Venezuela. Ce monde qui derrière pour tuer lui, c'est pas mon Haïti, c'est pas parti politique en Haïti qui derrière Jovenel pour tuer. Tendez, c'est pas aucun parti politique Haïti qui derrière Jovenel pour tuer. C'est communauté internationale là. Qui d'elle pour y tuer, il supposé prendre pile précaution. Jovenel supposé prendre en pile précaution. Parce que monde qui d'elle pour y tuer, là, c'est monde qui puissant son communauté internationale qui veut tuer lui. Nèg yo prend en palais. Si monsieur parle, n'après que, son nèg qui ka sorti Saint-Domingue, yo ka sorti Jamaïque, yo ka sorti dans n'importe quelle île, l'autre pays, qui vini pour y tuer lui, parce que, c'est une affaire internationale. Faut Jovenel prend en pile précaution. Parce que m'ta que li fini fait 5 ans là. Parce que nous c'est le premier président qui comprend l'économie en Haïti. Ça qui ont économie. Économie, c'est producteur. Qui ça qui ont producteur? Un producteur, son monde qui a fait produit pour vendre. Par exemple, on est qui fait tableau. C'est un producteur, un marchand de manger cuit, son producteur, lui fait que lui fait manger pour vendre. OK? Gen moun ki fait wash taille,
Roman, moun se se produseur, gen moun ki fè siro miel. Men, lè li fin fè siro miel la, li fin fè siro kan, li mette la machè a, fòk li gen moun ki pou achete l. So, ekonomi, se produseur, se travay. Koun ya la, si moun yo pa travay, yo pa gen kòb nan men yo pou yo achete. Paske, si moun pa achete, ekonomi an, kom yo di an anglè, ekonomi an li mouri, ekonomi an dead. Tande bien, depi moun pa ka achete, moun nan pa gen l'ajan likid nan men pou l'achete, ekonomi an pa ka mache. So, ekonomi gen an pil bagay pou lwe avèk travay nan yon peyi. Si yon peyi pa gen travay, se normalman ke sitwayen yo pa gen l'ajan pou achete, e bien vin gen inflasyon. Inflation vle di inflation vle di tout simplement pa gen an pil produit sou market la produit ki gen sou market yo ke yo cher et ça que l'inflation et ça bay inflation moun yo pa gen assez l'argent nan men yo pou acheter moun ki fè produit a li même li oblige vendre li cher est-ce que comprendre ça m'a dollar là dit que ou moun ap fè siro kan pou vann. Li fin fè siro kan nan. Li travay di li fin fè siro kan nan koun ya la. Li met siro kan nan pou l'vann ni. Pou l'ta vann 200 bouteille siro kan, se 10 li ap vann. Gwann, koun ya ti bouteille siro kan nan, li oblige vann li cher. Si pou l'ta vann ni $5, la pou vann ni même $40 parce que pa gen moun kap achete moun yo se pa reme yo pa reme si yo mel non, men pa gen l'argent nan men yo. Se sa ke fèm do kon sa Haiti sou bon vwa, parce que si pa gen acheteur, pa gen ekonomi. Inflation vle di, produit a sou market la, population pa gen l'argent pou achete l. Moun nan li même ki fin redi, fè souli, moun nan fè costume moun nan fè tableau si moun te vin achete tableau moun yo ap travay moun yo gen kòb moun ap achete ta tableau lè yon artiste tab vann yon tableau pou $50 li vann ni pou $10 paske l konnen ke gen 1000 moun kap vin achete ti tableau a gen 1000 moun ki pare pou achete 1000 tableau so si la vann 1000 tableau a $10 sa fè 10000 li pa kèr ke l distribye a $10 Mais si peint la artiste peint la, c'est chaque 2 mois li vann gen yon tableau. Même tableau li tab vann pou $10, li oblige vann ni pou $300. Est-ce que comment ça dollar ça a l'inflation et prix a li nan inflation ouais on bay ki que yo bay vann bay la montée que li enflé. C'est inflation. Pour yon économie marcher bien, faut gen moun kap acheter. C'est peut-être ça. Sous président Bush qui te fait la guerre à Saddam Hussein, les monsieur ouais économie a tombé dans main, monsieur voyait $500 ba chaque américain. Gen moun li voyait $2000 ba yo pour y acheter parce que depuis ou a acheté économie comme dado c'est une sorte de sec qui a poulé. Vous comprenez? Gen mouvement. Vous comprenez? Les moun a travaillé, c'est normalement les vendredi moun yo pral dans restaurant. C'est normal ou gon économie qui a fleuri si moun n'ap travay les vendredi soir li pral nan bal la pa acheter manger la pa acheter boisson li gen l'argent que nan men koun ya l'argent ap fè on pays a c'est ça que le on économie qui a grandi so Jovenel comprend l'économie très bien. Monsieur comprend l'économie très bien. C'est le premier président qui comprend l'économie que Jovenel Moïse. Nous avons une chance pour nous avoir un bon président qui comprend. Parce que si Michel prend contact avec chaque businessman qui est dans le pays, il garde bien, il a un sac profitable, il accompagne, il dit comme ça, il sure que il a un loan pour qu'il prenne loan, mais dans la banque pour agrandi business là li même que le derrière yo que mel campé derrière yo m'pense que ça a créé un pile travail et les moun yo commencé travailler c'est là ça ou pral gen économie
Vous comprenez? Ça que fait si mami duri avant tout cher comme ça, c'est parce que pas grand pile monde qui a bien acheté duri. Les populations ont commencé à gagner l'argent la main pour l'acheter duri. Mami duri a automatiquement li a descend. Camionnette a descend, tout bag a descend. Parce que grand pile monde gagne mouvement, gagne monde qui prend la ville, gagne monde qui a tourné. Gagne monde qui prend 11 ami. Vous comprenez? Li prend camionnette là 11 ami, tout ça c'est l'argent qu'a dépensé. So économie a pe move. Les populations pas de travail, économie hein, directement, li tombe dans inflation. Et Haïti a vécu dans une inflation éternelle parce que moun yo pa jam travay. Les moun yo pa travay, les moun lo moun gen un restaurant, moun nan gon ba, c'est deux trois grand moun qui vinn acheter ti bien baza. Mais les populations commencé gen cob nan men. Business commencé à pouvrir dans pays. Business pour cornflakes. Business pour clairin, roman business pour duri. Mon cher, m'dis nous comme ça. Jovenel a mettre pays à sous pied lui. M'dis nous, Jovenel a mettre pays à sous pied. OK? Nous mettre quoi non monsieur? Comment nous mettre quoi non monsieur? Nous c'est premier président qui comprend l'économie. Dis nous comme ça que la visite là au Tibonite. C'est la genduri, eh bien, faut gon machine qui pour séparer duri. Faut gon machine qui pour caler duri. Les moun nan fin fait duri, c'est pas pile. Faut gen machine qui pour séparer duri. Mette duri, faut gen machine qui pour mettre duri qui nan boîte. Faut gen machine qui pour clean duri. Monsieur comprend l'économie très bien. Et s'il fait ça dans 10 départements, nous gen usine duri. Nous gen usine pour cornflakes. Nous gen usine pour sucre, nous gen usine, et bien Haïti allez, Haïti pas pauvre encore. Jusqu'à présent, gen problème, parce que si n'a pas président problème, nous pas le travail, bayo que pas marcher. Moi même comme moi toujours dis nous, diaspora gen travail pas pour faire pour nous rassembler économiquement. Et m'a voye une nouvelle bay Stanley Lucas c'est Saint Flo qui parle avoir Kyle Raymond là ça Stanley pote ko gen bab non m'te konn Stanley Lucas l'el te gen 16 ans li toujours Kyle Raymond nan rue Jean de Morin que nan Carrefour surtout samedi les pa gen l'école ou a besoin Stanley Lucas la Kyle Raymond 16 17 ans toujours à faire discussion et pas discussion non débat son équipe toujours à faire débat sur tout sujet parce que les Raymond sont famille intellectuelle c'est mon dieu c'est dans livre seulement que vous collez et so Stanley Lucas terre mes livre so c'est Kyle Raymond net li rete c'est là depuis mal Kyle Raymond m'a besoin Stanley Lucas là so Stanley Lucas et c'est ouais si on va faire nous réunir économiquement dans diaspora pour nous aider pays. Et c'est pas Jovenel seulement n'a aidé non quelque sa président Montea diaspora supposé aider économiquement sous Stanley Lucas c'est Saint-Fleur voyons nouvelle ba ou le voyons dou comme ça que et c'est ouais si on va faire nous réunir économiquement États-Unis Canada la France pour nous aider pays parce que m'dou Jovenel moi très fier m'ba monsieur 10 sur 10 combien m'ba président Jovenel 10 sur 10 monsieur c'est président qui plus intelligent ngoan président qui est intelligent, nous pas jamais gagné. Moi, je fais en 59. Depuis 59 à venir aujourd'hui, c'est la première fois que nous avons un président qui est intelligent. Maniga est intelligent, oui, mais il n'y a pas de Maniga chance pour le travail. Mais Jovenel, Moïse, monsieur extrêmement intelligent, met chapeau bas. So, Kembe FM, Stanley Lucas, gardez pour vous, faire nous réunir économiquement pour aider le pays. Hein? Et. Président Jovenel, faites attention parce que nèg ki dehors pou yo tuyo yo, c'est dans l'autre pays que yo sorti. Parce que ou campé à Venezuela. So, prends pile précaution. Kembe FM, c'était Robert Magic, à bientôt.